Ah bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien en ce 10 janvier 2024. Il est à présent 19h24. J'ai lancé un peu plus tôt parce que... on a plein de choses à faire. on a plein de choses à faire. On est complètement sous l'eau là. Les musiques de FF14 ne sont jamais trop fortes, je suis un peu d'accord avec toi, Arialis. Je suis un petit peu d'accord. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. On se retrouve pour faire du Fall Guys ce soir. Pour des coups de 20h30 en compagnie d'Antoine, de JD et de Mintos. Puisque demain, il y a ce qu'on appelle un FFS. Donc qu'est-ce que le FFS, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous répondre. Le FFS est une compétition organisée par Zerator. FFS pour Fight for Sub. Puisque le gagnant du tournoi recevra la modique somme de 100 subs. Donc c'est pas mal. Du coup on fait une petite session de training. En fait on avait planifié de faire une session Fall Guys avec Mintos et JD et Antoine, parce que j'aime beaucoup l'ambiance de cette team. Et on n'avait pas pu le faire notamment parce que j'étais malade. Et du coup on l'avait décalé dans cette semaine. Et ça tombe bien puisqu'il y a le FFS, voilà. Mais on a d'autres choses avant à faire. Il y a d'autres choses qu'on doit faire également. Oh, c'est terrible. Là, il y a un mix de Endwalker et c'est que des images du jeu. Et du coup, attendez, je suis un peu... ça me rend un peu émotive. Allez, hop, j'ai changé. Je vois plus. Bonsoir, les chats. Non, je vois pas de quoi vous parler. Non, pas du tout. Merci Mister Saturne, merci beaucoup pour le 11e mois de Prime, Lovac pour le 13e mois de sub, Guissam pour le 16e mois, Ildozor, merci beaucoup pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Alors en fait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, ce qui était un petit peu tard, j'ai peut-être fini mon stream à 4h du matin, parce que j'étais très occupée à chercher des chats. On a beaucoup cherché des chats. Je me réveille à peine, mais on va voir des chats. On va voir des chats. Miaou! Miaou! Merci Tesseract, merci beaucoup pour le 45e mois de sub et pour la modération depuis fort longtemps maintenant. Merci Lovac également pour le 13e mois. Merci beaucoup. Oui, j'ai trouvé la sortie 8 par contre. Vous avez continué jusqu'à 4h du matin? Non? Non? Pas du tout. Moi, finir un stream à 4h du matin, ça arrive? Ça arrive souvent, ça? Non. Ça m'arrive jamais. Certainement pas sur un jeu de merde. Comme ça. Ne se prononce pas. Oui, alors c'est-à-dire qu'hier on a testé... Hier j'ai passé un trop bon stream, j'espère que vous aussi, mais j'étais morte de rire après le stream toute seule en repensant à des passages, bon bref, ma vie quoi. Et on avait testé Exit 8, que je vous conseille de faire, qui est pas très cher, qui coûte 4€ je crois, un truc comme ça. Et en fait après j'étais partie à la base pour faire du Power Rush Simulator. Et je me suis dit, ouais mais en fait j'ai envie de jouer à un truc genre un peu à la Où est Charlie, vous avez des idées? Ça, c'était la première erreur que j'ai faite. Ensuite, j'ai download Hidden Cats in Paris. Et après, il s'est passé un vortex de 4h30 où on a cherché des chats. Et maintenant, c'est la boucle. Parce que je savais qu'on allait jouer à Fall Guys ce soir. Je me suis dit, je vais lancer plus tôt. Comme ça, j'aurai le temps d'aller chercher des chats avant. On a juste découvert le GOTY 2024, c'est tout en fait. On a juste découvert le GOTY 2024. 4h, je vois pas le seul truc. Ce que je sais, c'est que t'as fini après Chiche et Rayou. Oh, c'est le début de la fin, ça. Hein. Mieux que Baldur's Gate 3. Bah non, mais Baldur's Gate 3 étant le GOTY 2023, il ne peut pas être à la fois le GOTY 2023 et 2024. Enfin, concentrez-vous. Concentrez-vous. Merci Outadoc pour le 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Ikioj, merci beaucoup pour le 2e mois de Prime. Et merci à tous. Très Rayou, ah ouais quand même. Oui, bah là c'est l'indicateur.
L'étape suivante, c'était ne pas avoir fini mon stream alors que Host Politique est encore il vient de lancer sa matinale, tu vois. Host Politique ou Tonton ou Minto, c'est un peu plus tard sa matinale. Là, ce serait le warning. Là, ce serait un appel du cœur, là. Là, il faudrait me venir en aide. Il faudrait débrancher la multiprise. Bousni représentera la commune à Spidon. Ah ouais, jure, trop bien. Attendez, je vais voir le planning. Le planning Spidon, il vient de sortir, je crois. Le planning de Spidon. Maintenant, je coupe la box. Oh, trop bien, sur quel jeu? Attendez, on va faire un petit react. Let's go, c'est parti. Où est le planning? C'est bon, j'ai. Attendez, ils ont dit une coquille s'est glissée dans le planning. Zadadaz qui runnera Half-Life le dimanche. Ok, react, c'est parti pour la VOD très courte. Allô? Ah oui, non, il est en train de capturer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sonic Frontiers. En garde, avec Bousni. Tout à fait, Bousni qui est quelqu'un de la communauté depuis... Pouah, v'là le temps en plus. V'là le temps que ça fait. Trop bien, félicitations Bousni, tu dois être comme un ouf. Je sais pas si t'es là. Je sais pas si t'es dans le coin ou pas, mais tu dois être comme un dingue. Non, je pense qu'il est chez MV parce que le planning, il était reveal à quelle heure? À 19h. Trop stylé. Très contente pour toi. Pour En Garde. Ensuite, on a Shantae and the Pirate's Curse. Je connais pas ce jeu. Legends of Zelda, The Minish Cap. Returnal. Street of Rage 2, Stray. Stray en 1%. Ok. Ah, ça fait une heure quand même, quasiment, le... Je sais qu'ils sont un peu larges, hein. Mais ça fait quasiment une heure, le speedrun de Stray. Prince of Persia 1 et 2. Princess Remedy of World of Earth. Je suis désolée pour l'accent, hein. Team World Dig. Ratchet & Clank Rift Apart. Ah, je l'ai pas fait, celui-là. Nier Automata. Ah ouais. Human Fall Flat. Bzzzt. Asterix Obelix XXL Remastered. Ça me fait rire, hein. Que quelqu'un run ce jeu, ça me fait beaucoup rire, je suis désolée. Merci Domris, merci beaucoup pour le 18e mois. Merci beaucoup, merci Fluffy Cook pour le 6e mois de sub. Merci The Stark Trekkie pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Seromania pour le 14e mois, merci, merci à tous. Stray, le jeu est nul car il y a un chat, stop it. Stop it, être un hater de Stray juste parce qu'il y a un chat. Le jeu était super. Il ne méritait pas de gagner le GOTY de la commu, je suis d'accord avec vous. Le jeu était très bien, mais pas à ce point. Mais le jeu était vraiment très très bien, Stray. C'était très très cool. Il y avait quand même une ambiance qui était très particulière quand même. Magical Quest starring Mickey Mouse. Katana Zero, Roundabout. City Skylines, c'est quoi le... Faire un archipel avec tous les paliers. Des DLC. En mode. Et ça dure combien de temps, ça? Un peu moins d'une heure. 50 minutes. Ah ouais? Il y a des speedruns sur City Skylines. En fait, de toute façon, tu peux trouver des speedruns sur absolument tout, hein, si tu te creuses un peu la tête, hein, mais... C'est fou. Apprendre à Advance Wars 4, Super Mario World 2, Yoshi Island, Castlevania, Circle of the Moon, Death's Door. Death's Door en 1% qui prend quand même quasiment une heure. Hein. Il prend quasiment une heure. Très très bon jeu qu'il faudra que je termine à l'occasion parce qu'il manque le boss de fin, ce qui est un petit peu dommage. On a If-O aussi, Donkey Kong Country, Kirby's Dream Land, Bread and Fred, Sonic Adventure DX, Metal Gear Solid, Pizza Tower, Doom Eternal. Putain, mais Pizza Tower, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine trop Mintos run ça, mais tant... Let's go. Doom Eternal, Super Mario 64, ça c'est pour le vendredi. Parce qu'il y aura 4 jours de Speedon cette année. D'ailleurs, j'y serai, je sais pas si je serai pour les 4 jours, mais Speedon est sûrement l'un des événements sur Twitch que je préfère suivre. Et généralement, je le suivais sur Twitch. Et l'année dernière, j'y suis allée en physique et j'avais adoré. Et j'ai beaucoup de mal à décrocher de ma télé quand j'y vais. Donc je pense qu'il y a moyen que j'y aille aussi, hein. Merci Dumris pour le 18e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un petit Céleste qui traîne ou pas là? Megaman 4 pour le samedi, Kingdom Hearts 2, Dark Souls Remastered. Oh, Dark Souls Remastered, c'est le premier, on est d'accord, hein?
C'est le premier, on est d'accord? Oui? Ah, quel enfer. Dead Space 2. Bloodstained. Lunistis. Bichoucho. Child of Light. Il faut absolument que je finisse ce jeu. Ce jeu est tellement mignon avec la voix de... Enfin, avec Cœur de Pirate qui a fait la BO de façon très étonnante. J'avais acheté sur ma Switch et j'avais beaucoup aimé et j'avais pas continué. Et j'avais vraiment kiffé ce jeu. Quackshot, Aladdin. Alors lequel, je ne sais pas. Mega Man X, Mario et Luigi Superstar Saga, Halo Infinite. Excusez-moi, on est en train de m'appeler, je ne sais pas qui c'est. Ça va être un truc qui va me vendre des pompes à chaleur, je pense. Pop and Music, Dodonpachi. Je ne vais pas lire ce truc-là, c'est trop long. L'interview de médecin du monde. Trauma Center. Super Meat Boy, quel enfer. Quel enfer. Très stylé hein, de faire un speedrun de Super Meat Boy, mais il faut être très très chaud. Hein. La bidoire pour choisir la version d'Aladin sera goldée. Ouais, elle a donné des détails par rapport à la bidoire, par rapport à ça. Ça a déjà été rendu public. Portal, évidemment. Link's Awakening, The Hobbit. Ok. Ori, je crois que c'est le 2, hein, The Will and the Wisps. Il me semble que c'est Ori 2. Toujours pas de Hidden Cats in Paris, on est très déçus, hein, mais tranquille. Penumbra, Black Tail, Left 4 Dead 2. Umino, je ne connais pas ce jeu. Ou. Ah, mais si, mais c'est un tout, en fait. Umino, c'est un tout. Je peux te préparer pour Speedrun 2025 sur Hidden Cats. Bah, je pense qu'on va faire ça, hein. Star Wars Jedi Survivor, Blasphemous 2, Saltan Sanctuary, Puzzle Bobble, Transistor, Shovel Knight, Rayman 2. Putain, qu'est-ce que c'était bien les Rayman. J'adore ce jeu. Toki Remastered, Rogue Legacy 2, Pikmin 3, Fury. Fury. Pardon. Est-ce que j'ai pas déjà essayé ce jeu? Non. Oula, doucement. Non, j'y ai pas joué. Ok, c'est ça, Fury. J'ai confondu avec un autre jeu. Excusez-moi. Fury, Spyro, Gravity Circuit, Tears of the Kingdom. Putain, mais qu'est-ce que... Attendez. Comment ça, un livreur à cette heure-là? J'arrive. C'est pas la pompe à chaleur, en fait. J'arrive, je cours. C'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi, ce n'était pas une pompe à chaleur en fait, c'est un livreur. My bad. My bad. Je m'attendais pas trop à ce que ça passe à ce temps-là, je vais pas vous mentir.
C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. Si, j'ai commandé... J'ai commandé un truc... Si, si, je sais ce que c'est, en fait. Ça, j'ai un peu honte. C'est un truc, j'ai vu plein de meufs faire des espèces de lissages avec une espèce de pierre, là, sur le visage, là. J'avais envie d'essayer. Voilà, c'est tout. C'est, je crois que ça s'appelle un gua sha ou je sais plus quoi, là. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Je vais voir si ça marche. Je vous ferai une petite review, hein. Je vous ferai une petite review. Alors, on était où? Pardon, excusez-moi. Faut que je retrouve mon soupe parce que j'ai couru, quand même. J'ai couru. TOTK, du coup, qui sera en speedrun en seulement une heure. Ok. Castlevania, Aria of Sorrow, Super Mario World, Luminescent, Half-Life, Baldur's Gate 3, tous les actes en 50 minutes, la vache. Oui, mais ça nous dit... C'est dommage, vous voyez, d'avoir fait une run Baldur's Gate, tous les actes, en moins d'une heure, alors qu'il pourrait y avoir d'autres objectifs. Est-ce que dans la bidoire, est-ce qu'on pourra rajouter l'ours? Parce que pour ceux qui ne savent pas, que c'est que Speedon, parce que je parle comme si tout le monde savait. Speedon est un marathon caritatif qui lève des fonds pour Médecins du Monde, avec des speedrunners qui se relaient pour, comme pour la prog là qu'on est en train de voir, qui se relaient pour faire l'animation. pour beaucoup de jeux, pour inciter les gens à donner, etc. et tout, il y a des espèces de challenges. Il y a des espèces de challenges imposés aux runners qui peuvent être seulement utiliser un skin ou faire un truc en particulier. Peut-être que pour Baldur's Gate 3, il y aura le fait de devoir aller ken l'ours. Peut-être. Et auquel cas, je ne pourrais que vous inciter à donner en ce sens, bien sûr. Enfin, moi, je veux trop que le runner, il lève l'ours, hein, vraiment. Sinon, c'est pas un vrai speedrun de Baldur's Gate, en fait. La commu qui va se ruiner. Oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est pour voir l'ours. Pas réussi à avoir le pass 4 jours, c'est parti trop vite. Ouais, je pense qu'il n'y a pas une très très grosse salle. Centre des congrès de Lyon. Je sais pas combien il y avait de pass. Je vais défiscaliser sec. Donc Baldur's Gate 3, Super Metroid. Et c'est tout. Et pas de Céleste cette année. Après, bon... Céleste, on en a eu beaucoup quand même, hein, sur des marathons caritatifs de speedrun. Il y en a quand même vraiment beaucoup, quoi. J'ai pris les 4 jours indépendamment. Ah, sinon, vous avez ça, ouais. On signera le don avec pour Florence, bah, si vous voulez, hein. Si vous voulez, hein. Les places sont réapprovisionnées régulièrement. Ouais, je sais pas quelle est la capacité du centre des congrès de Lyon. Capacité de combien ? Apparemment, c'était une tannée parce qu'il y a tellement de salles qui sont occupées pour les JO, etc. que une capacité de 19 000 personnes. Je pense que c'est pas dans cette salle-là. Je pense que c'est pas dans la salle principale. Parce que pendant 4 jours, le congrès, le centre des congrès, 19 000 places, ça me semble huge. Ça me semble trop. Ça me semble beaucoup trop. Mais vous savez, dans ce genre de choses, il y a souvent plusieurs salles, donc... Ouais. Ah non, mais en fait, c'est en tout. Le centre des congrès de Lyon se compose d'un amphithéâtre de plus de 3000 places, de deux auditoriums, de 900 places, de 300 places. Et après, il y a des petites salles de réunion, etc., etc. Faudrait demander, je pense que MV a dû répondre sur le nombre de places qui étaient disponibles en tout. C'est quand? C'est du 29 février au 3 mars. Retransmis sur Twitch, mais pour les Lyonnais, parce que c'est à Lyon cette année, hein, pas à Paris, faites attention. Les Lyonnais, c'est possible. Je me suis perdue dans ce que j'étais en train de raconter, désolée. C'est bouh! Et c'est sur la chaîne de MV. Voilà. Ouais, le pass 4 jours, 40 euros. A été épuisé. Par contre, bah, il reste des places pour le jeudi. Ouais. Il reste des places pour les autres jours.
Oh. Le dimanche, je crois qu'il reste pas grand-chose, hein. Ou alors c'est limité pour pas que les gens ils achètent 1000 trucs, quoi, mais... Avec les messages, c'est Florence qui a demandé plus petit que 3. Oliver. Et comme il est mouillé. Qu'est-ce qu'il a le petit cul là? Tu veux sortir? Je crois qu'il est teuteux. Je crois qu'il est teuteux. Walkies? Walkies? Donc oui, donc ce sera fin février pour ceux qui ont réussi à avoir des places. Sinon, ce sera sur twitch.tv/mrmv. Et c'est un événement que je suis attentivement. Bon, je pense que je ne streamerai pas sur ces dates, voire je serai sur place. Et on a un runner de la communauté qui est un habitué d'ici, qui run pour la soirée d'ouverture, là. Le deuxième jeu, Bouzni, pour En Garde. Voilà. Il faudra lui envoyer de la force, bien sûr. Je sais pas s'il y a d'autres noms de la commu dans la liste. Peut-être, mais Bouzni, en tout cas, je l'identifie bien, quoi. Ma maman a vu une photo d'Oliver tout à l'heure. Elle m'a demandé de lui envoyer des photos quand j'en vois parce qu'elle est fan de sa bouille. Je dois avoir une archive d'à peu près 8500 photos. Ça t'intéresse? Merci Robot. Merci beaucoup pour le 7e mois, merci beaucoup. Seulement, mais en vrai je dis au pif, mais je pense que c'est encore plus. Je pense qu'il y a moyen que ce soit plus. La photo avec Slim est trop pipou. Oui. Oui, elle est trop mime, s'attendait. Mais en fait, Oliver, il s'est fait plein de copains. Oliver Perse International, regardez. Oliver Perse International. C'est fini Zach après cette photo. Ah non, c'est pas sur son compte à lui. C'est sur le compte de Baguera, pardon, j'ai oublié. C'est sur le compte de Bags. N'est-il pas adorable? N'est-il pas adorable? Faut savoir qu'Oliver est très très fan de Baguera et qu'Oliver pleure de bonheur quand il voit Baguera en plus de ça. La starification d'Oliver. Le nez est très long là, hein. Le nez est très très long, hein. Il est très pointu, hein. Le clip où Filza parle d'Oliver est incroyable, il est trop mignon ce clip. Oliver Canon dans QSMP. Oliver la star, partout où il passe. Ah non, j'ai pas signalé, non, j'aime ce commentaire, je like même. Je like. Je sais pas s'il y a une autre photo. Si, là on le voit là. Là on voit Filza qui essaie de patte Oliver. Mais celle-ci elle est vraiment trop mignonne quoi. Quand Oliver aime beaucoup faire des bisous sur le bout du nez, dans ces cas-là, je dis qu'il blesse. You've been blessed by Oliver. Là, il fait un petit... Oliver a une meilleure vie que moi. Oh, Oliver a une meilleure vie que beaucoup d'entre nous, hein. Vous imaginez? Beaucoup d'amour, tout le monde t'aime. T'as pas besoin de travailler. Ta gamelle est remplie quoi qu'il arrive. Bon... The nose has chosen you. L'étoile was in friend, ce commentaire est incroyable qu'il soit premier ou second degré. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, il nous reste pas beaucoup de temps avant qu'on rejoigne les autres sur Fall Guys. Donc je vous propose... On tombe ensemble dans cette addiction
Terrible. Qu'est ce jeu de mort? Attendez, il y a deux musiques en même temps, au secours. Une petite golden dare. Alors, attendez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais tout vous expliquer. De toute façon, vous allez vite comprendre parce que le concept du jeu n'est pas non plus... On devrait s'en sortir, quoi. Bon, je vais vous mettre une map facile pour commencer. Ouh, ouh, oula, oula. C'est un jeu à la Où est Charlie? Donc, il s'agit de trouver des petits chats. Il s'agit de trouver des petits chats. Pour que vous puissiez jouer aussi, là je vais pas les trouver tout de suite, Je vous laisse un petit peu chercher de votre côté pour voir où il y a des petits chats. Sur cette map, il y en a 50. Sachant que je vais me déplacer vers la droite puis vers la gauche. Mais pour l'instant, je reste ici. Je vous laisse observer un petit peu. Et voilà. Et en fait, c'est con comme la lune et ça rend vraiment très très addict. C'est pas que j'y ai pensé aujourd'hui, mais voilà. Ils sont très petits. Si vous êtes sur le téléphone, des fois, c'est pas évident. Et c'est... Ouais, c'est... On y a passé trop de temps hier, quoi. Je vais donc découvrir ce banger, j'avoue avoir été circonspect devant ta story. Moi, je fais du teasing. J'étais en manque. J'ai vu un chat, bravo. Bravo. Donc, je laisse tranquillement un petit peu, je vous laisse... Attendez, il n'y a pas de la musique en même temps, on est d'accord? Non, c'est bon. Je vous laisse tranquillement un petit peu regarder et je vais commencer à en chercher, quoi. Il y en a 50, mais pas... ils sont pas tous sur cette page. Donc... ça me fait des guilles dans le ventre de revoir ça quand même. Je crois qu'on n'est pas dans une boucle parce que le problème, c'est que j'ai découvert hier. J'ai découvert hier qu'il y en avait. Qu'il y avait un nombre incalculable de jeux là-dessus, dans le genre Où est Charlie? C'est vraiment terrible. Bon, j'en ai trouvé 18 là. J'en ai 10, 5. Ok, je comprends l'addiction. Bah ouais, vous comprenez, vous commencez à comprendre l'addiction, là? Et après, alors en plus, mais vraiment, je donne de ma personne, parce qu'après, je bouge la caméra pour que vous puissiez, enfin, ce cadre-là, là, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a en dessous. Tu es à combien de chats depuis hier? 3 ou 4, tout au plus. Je vous laisse prendre un petit peu d'avance. Comme ça, ça vous spoile pas, voilà. C'est sur mobile? Non, c'est sur Steam. Mais en vrai, il y a moyen que ce soit sur mobile aussi, je pense. Peut-être sur tablette, c'est quand même plus simple, quoi. Je crois que la coke est moins addictive. Mais je tiens à dire que vous vous êtes bien moqué de moi au départ, là. Quand je suis tombée dans la boucle du chercher des chats, et à la fin du stream d'hier, vous suppliez pour qu'on fasse encore des maps, encore des maps, encore des maps. Donc, hein, voilà. On tombe ensemble. Merci Gabé pour le 11e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre le problème, là? Vous commencez à comprendre pourquoi c'est un puissant... C'est de la drogue, en fait. Tout simplement de la drogue. Je vais bouger ma caméra pour que vous puissiez voir, sachant que là-haut, en haut à droite, là, il n'y en a plus, là. Bon, alors, de toute façon, le chat, je l'ai laissé ici, mais on le voit pas beaucoup, hein. On le voit pas beaucoup, hein. À la fin du live, il y avait encore combien de viewers encore présents et addicts? 2500, je crois. Après, il y en avait un certain nombre qui devaient dormir, hein, mais... Ah non, mais on tombe ensemble, hein, je vous le dis, hein. J'ai pas changé la catégorie ici.
Change la catégorie. Papa. Alors, bien sûr, ne spoilez pas où est-ce qu'ils sont. Je vous laisse chercher. Je vous laisse dire combien vous en avez. Je vous laisse dire quand il en reste un ou deux. Vous avez le droit de dire vu. Mais ne dites évidemment pas où est-ce qu'ils sont, quoi. Je trouve que ce qui est drôle, c'est que justement, vous puissiez aussi jouer un peu à où est Charlie, quoi. Faites ce que vous voulez, mais je me recouche pas à 4h du mat. Je vais me lever à 6h aussi. Oh ! Terrible. Mais sachant qu'en plus, là, on est vraiment sur un truc où c'est sans fin. Parce que comme c'est des jeux qui sont pas très chers à développer, en plus de ça, bah, il y en a pléthore hein, sur Steam. Hein. J'en ai vu 1800 à peu près de... Il y a aussi, il y a des grenouilles à chercher, il y a des papillons, il y a des coccinelles, il y a tellement de choses. Je vous laisse chercher un petit peu encore. C'est le GOTY 2024, tout simplement, en fait. Il n'y a rien sous ma caméra, je tiens à vous le dire. Et il y avait un chat qu'on avait déjà trouvé. Minto, ça va installer une extension Twitch pour que les viewers cliquent sur l'écran pour indiquer la zone où se trouvent les chats. Ah oui, mais c'est un stream participatif du coup. ...2024 va être une année incroyable sur cette chaîne. Prochaine fois, je ferai un plateau et qu'on me dira « Florence, c'est quoi tes projets ?» Je serai là, ben... C'est-à-dire, il y a des chats à trouver à Londres. Il y a des chats à trouver à Singapour. Ouais, une année très très buzzy, quoi. Oh, il est trop mimes. Cette musique dans FF14, elle est assez émouvante. Et là, en même temps, on est en train de chercher des chats, JPEP. Il nous en manque 5. Avez-vous les 5 qui nous manquent? Les avez-vous? Sans dire où est-ce qu'ils sont, les avez-vous? C'est trop addictif quand tu en trouves un, puis deux, c'est trop bien. Mais oui! Et j'essaie de pas trop bouger la caméra de façon psychédélique pour que vous puissiez un peu jouer. Merci Lustan, merci beaucoup pour l'année de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Personne n'a les 5, je crois. Je crois que personne n'a les 5 pour le moment. Alors attendez. Concentrons-nous. Est-ce qu'il y a un truc là-dessous? Ah oui, il y avait un truc là-dessous. Mais c'est étonnamment addictif en fait, c'est terrible. Hein. Oh, je l'ai vu. Il en manque 3. Attends, il y a un truc qui a bougé, non? La nappe, non? Elle a pas bougé, la nappe? Quand il y a l'animation, il y a un petit chat derrière. Oh! Bon, bah, je crois que j'ai confumé, hein. Je cligne des yeux au mauvais moment, peut-être, hein. Rien ne bouge, Florence, tout est dans ton esprit. 100% on va arriver en retard pour Fall Guys à cause de Eden 4, mais c'est worth it. Non, on va pas arriver en retard. Non, tranquille, on a le temps d'avoir notre dose et là on va avoir une 40 minutes de Eden 4 là. C'est bon, je pense qu'on va pouvoir tenir. Trop mimes.
Il en manque un, lavez-vous. Sans dire où est-ce qu'il est, bien sûr. Sans dire où est-ce qu'il est. Ok, bon. Cherchons. Ça, on dirait un peu un chat, ça. Ça pourrait être ses petites oreilles, son museau, son œil et sa patte. C'est pas ça. Je devienne fou. Je devienne fou. La musique de FF14 avec les chats qui miaulent en même temps, là. Il me semblait avoir vu une animation, quand même. Vers le bas de l'écran. Peut-être pas, hein. Peut-être pas, hein. Où est-il en... Je l'ai! L'avez-vous? Je l'ai! Oh, il est vraiment bâtard! Il est vraiment bâtard! Hop là! Attendez. Bon, c'est pas tout, on a d'autres maps à faire. Jamais je l'aurais trouvé, mais parce que ça fait pas 3 heures que t'as joué, Bruno. Là, c'est une mise en chauffe. Et il y a des gens qui n'étaient pas là hier soir. Ils découvrent. Ils ont pas encore l'œil assez affûté, mais ça va venir. Ça va venir. Il faut vous entraîner, c'est très important. Quand tu cherches le dernier, t'as l'impression que tout est un chat à la fin. Ah, mais 100%. C'est ça qui est drôle. Allez, on est parti pour le pastificio. Ok. Je vous laisse prendre un peu d'avance. Je vous laisse prendre un peu d'avance. Et vous me dites combien vous en avez là, tout de suite, maintenant, là. Et après, je vais faire un conflit d'ego. Pour pas que le chat me batte. Voilà. Merci beaucoup, Schmul de Bulle, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté, merci Didaray, merci beaucoup pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. 12, 19, 20 20 Ok, 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 20, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, il y a un truc qui a bougé mais je sais pas où. Et là ! Et là, la commu, ça dit quoi, là ? Hop là ! 21, même, je suis plus forte que vous, même. Meilleur que la commu, finalement. Qui en doutait ? Personne. Est-ce que j'ai tout vu? Oh! Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Allez, je bouge l'écran. Je me mets au max par ici. Je vais chercher un petit peu. En train de comprendre pourquoi vous êtes resté jusqu'à 4h du matin. Voilà, ça commence à venir. C'est comme la fois où j'ai lancé Power Watch Simulator pour la première fois. Vous vous êtes dit, mais Florence, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et après, vous avez fini par comprendre pourquoi il y avait un potentiel addictif de fou. C'est bon? Vous arrêtez de me juger sur le fait que j'ai cherché des chats jusqu'à 4h du matin? Vous comprenez ma story Instagram, ça y est?
Vous commencez à comprendre le problème? Vous reprendrez bien un petit peu de crack? J'ai bougé ma caméra en bas parce que je suis sûre qu'il n'y en a pas là-dessous. Comme ça, vous pouvez voir le full screen aussi à votre tour. Ta cam nous cache tout le monde des chats. C'est pour ça que je la bouge tout le temps. Pour ça, j'essaie de la bouger et je vous dis pas s'il y en a dessous parce que c'est un peu un indice, tu vois. Et moi, ça fait un moment que je le vois, celui-là, là-haut. Mais ça aurait été cheaté si je l'avais validé alors que vous pouvez pas le voir, il y avait ma caméra qui cachait. Et oui. Et oui. Ah non, mais c'est un stream de professionnel ici, hein. On n'est pas des amateurs, hein. Ah, ici, on fait les choses bien. Attendez, 4 heures de stream sur Hidden Cats nous a donné des réflexes de fou. Ah, oh, j'adore. Mais sachez que c'est un genre sur Steam hein, qui est vraiment très, très, très populaire. Genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux en rapport avec ça. Et genre, j'ai payé ce jeu 4 balles, hein. Oh, j'ai cru que ça avait freeze et qu'il allait falloir recommencer. Allez, on se met de l'autre côté. De l'autre côté, on n'a pas fait. Voilà. Sachant que sous ma caméra, pour info, il y avait un petit chat, mais on l'a déjà trouvé. Et ici. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Voilà. La streameuse Hidden Cats Only. Ça va faire des lives de 10 heures sur ça. Let's go. Let's go. Et vous serez là, bien sûr. Il est trop mignon. Oh, c'est bon. Oh là là, finger in the nose. Il nous en reste, bien sûr. Il nous reste des maps. Il nous reste des maps et il faut qu'on se dépêche. On a... Non, c'est bon, on a 25 minutes de notre dose, alors. Pendant 25 minutes, on plane encore un petit peu. Le sanctuaire. Je suis en dark mode, hein, je précise. Je vous laisse chercher quelque peu. Je vous laisse prendre de l'avance. Pour après faire des gros flexeurs en mode « Ah, on en a plein, Florence, tu l'as toujours pas trouvé. » Parce qu'évidemment, quand on en a vu un... Et que le streamer ou la streameuse ne l'a pas vu, ça nous semble évident et on est en mode... Voilà. Voilà, c'est pour rassurer votre ego que je fais ça. Nous sommes donc rendus à 1265 petits chats trouvés depuis le début de l'arc Hidden Cats. Combien? Combien le chat en trouve? 19, 20, 20? Ok, c'est un challenge? Ok, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Non, c'est pas sur le bouton que je vais appuyer. Oui, voilà, clairement, il y avait une petite oreille qui dépassait. Hein. Ok, bah facile. Je n'ai même plus que la commu. Il y a un truc qui bouge, mais je le vois bouger. Quand je tourne la tête, ça me rend fou. Ou alors je commence à complètement dérailler, non? C'est possible aussi, hein. Je crois que je commence à dérailler, hein. Ok. On voyait pas celui en dessous de l'engrenage? Bah, excusez-moi, mais... J'avais pas bougé la caméra et moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, parce que j'ai le même bouton que vous. Donc, c'est juste que vous êtes nuls.
voyez pas celui derrière de la fougère. En vrai, quand à chaque fois qu'il y a une animation, il y a un chat derrière, ça veut dire. Donc si vous voyez une animation, vous pouvez être sûr qu'il y a un chat derrière. Florence tellement toxique envers la commu. Mais le pire, c'est ce que je disais hier, c'est que j'en ai rien à foutre dans les jeux de gagner ou de perdre. Mais sur Hidden Cats, il y a vraiment un combat d'ego qui se fait, quoi. Ah, mais attendez, mais la map est longue. Ok, je mets par là. Je mets par là, après on ira plus à droite. Bonsoir les crackheads, est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce jeu sur Switch? Je me demandais si c'était ergonomique. Joining the Addict Club. Bah je pense que c'est faisable puisque l'écran il est tactile sur la Switch. Donc faisable de fou je pense. À moins que tu joues sur ta télé avec la Switch dockée, hein, mais... En VR ce serait ouf. Je sais pas. Hein. C'est une idée sur le papier, peut-être qu'elle marche bien, mais dans la pratique, de façon pratico-pratique. Pourquoi est-ce qu'on double dans les choses? Pourquoi est-ce qu'on dit pratico-pratique ou franco-français? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'emphase là-dessus? Vraie question. C'est une redite, quoi. Une redite consciente en plus. Technico-technique, non, ça je l'entends pas ça. Parce qu'on n'est pas malin, bah je sais pas, non, mais il doit y avoir. C'est une tournure de phrase qui veut. La vocation à exister pour quelque chose, je pense. Bref. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est plus un abus de langage qu'un choix éditorial. T'as un skin chat pour Fall Guys? Ah non, je peux pas changer mon skin dans Fall Guys. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, sinon je peux pas sortir la fameuse phrase, quoi. L'iconique phrase de Fall Guys. Je me décale un petit peu. Et je vous laisse chercher. Ah, c'est l'image de marque, exactement, quoi. Oui, on les a vus, Florence. De quoi, les couilles ou les chats? Ou les deux? Allez, c'est parti. Ah, en fait, du coup, quand ils sont sous le chat, il faut que vous fassiez un travail de team pour voir... Pour mettre des messages courts, pour réussir à faire en sorte de voir ce qu'il y a marqué sous le chat. Donc il faut que vous le fassiez défiler un petit peu. Si le chat stagne, vous pouvez plus voir ce qu'il y a en dessous. Mais, habile. Habile. On est incapable de s'organiser. Bah oui, c'est ce que je vois, oui. Hop, je la mets ici, comme ça vous pouvez voir le reste. Les gens écrivent des chiffres parce qu'ils disent le nombre de chats qu'ils ont trouvé. Bon voilà, évidemment il y en avait en dessous, donc j'ai bougé la caméra pour que vous vous sentiez inclus. Hop, on part de l'autre côté. On part de l'autre côté. Il n'y a pas de chat sous ma caméra. On a déjà trouvé celui qui est sous ma cam. Il est là. Il n'y a pas de chat sous ma cam, a priori. C'est Malino malin. Merci Annelies pour le 2e mois. Merci beaucoup. Merci Darkel pour le 31e mois. Gustave Lenny pour le 23e mois. Anaïs Kim pour le 4e mois. Merci beaucoup. Coucou de Breton, bonne année à toi. On est tombé dans une nouvelle boucle d'addiction.
Je peux tout expliquer. Vous avez combien? 19? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi, je pense que je suis meilleure que la commu en vrai. Hein. Juste meilleure que la commu. Hein. J'ai passé une semaine sans Baldur, je suis en manque. Moi, c'est pareil, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Si, la semaine dernière... Non, la semaine dernière, j'ai pas joué à Baldur's Gate, si. Il y a eu une session Baldur's la semaine dernière? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y en ait eu. Il faut compter les petits chats. Dites pas, alors dites pas où est-ce qu'ils sont, bien sûr, je vous laisse chercher, parce qu'il y a des gens qui cherchent dans le chat aussi, donc vous les spoiler eux aussi. On est sur un travail coopératif, mais chacun de son côté, vous voyez, d'accord? Vous comprenez? Hop, je me décale encore un petit peu sur la gauche, à la limite de la map. Il n'y a a priori pas de chat sous ma caméra. C'est du coop en solo, exactement. Très belle ref au 101 Dalmatien pour la dernière VOD de Baldur's d'ailleurs, c'est vrai. Cruelle Diablesse, je l'ai appelé. Cruelle Diablesse. Cruelle Diablesse. Ça me fait rire une musique très très épique comme ça, Dan Walker, pour chercher des petits chats quand même. Hein. Ça me fume. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un. Il en manque un, sans dire la réponse. L'avez-vous, oui ou non? Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas. Je vais me redécaler dans l'image doucement pour vous ayez le temps de voir. Des bisous doux bretons. Des bisous. Et merci Big Blue Sky pour le 28e mois, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Perchak pour le 22e mois, Doudou Breton pour le 40e mois, j'avais pas vu, merci beaucoup. Le jeu est très sympa et le jeu est pas cher. Vous savez que... Je l'ai depuis longtemps et je l'ai pas validé parce qu'il était sous ma caméra et je me suis dit c'est unfair si je le valide et que vous avez pas eu le temps de le voir. Mais j'ai oublié entre temps qu'il était là et que je l'avais jamais validé finalement. J'étais juste 100% commu quoi en fait. Il nous reste 13 minutes de cherche Matou. Il nous reste 13 minutes de cherche Matou. Vite. 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 Oh, on a 13 minutes pour trouver 200 objets. Attends, c'est quoi ce bordel? Donc on a 100 chats à trouver et 100 city people. Je me permets juste un truc. Oh, ce passage dans la zik. Jouer à FF14, hein, vraiment. Hein. Damn. Damn. Bonsoir la commu, j'étais sur la rediff d'hier et merci Arte. Ça va falloir expliquer. Attendez, je lis un message d'abord. Bonsoir la commu, j'étais sur la rediff d'hier par rapport au sapin plastique.
On en parlait aujourd'hui avec mon prof de botanique. Un sapin naturel est tout aussi polluant que le plastique. Le naturel est traité à bloc pour de meilleurs résultats, comme tout, et relâche tous les produits chez soi. Donc niveau écolo et santé, pas foufou. Même pour le plastique, ça rejette tous les produits chimiques chez soi, et puis pour qu'il devienne rentable sur un rapport carbone, il faut le garder 20 ans. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arte pour le raid, merci beaucoup. Alors, vous allez rire, mais on est sur la quintessence du gaming sur cette chaîne, d'accord? On est sur une chaîne 100% gaming. On est sur du truc de haut vol. Ce soir, nous sommes en train de chercher des chats. Vous connaissez tous où est Charlie? Et ben là, c'est la même chose. C'était l'émission avec Ultia sur la BD franco-belge? Ouais, c'était ça. Hein. On vient d'une discussion sur la BD franco-belge. Je suppose que c'était bien, j'aimerais voir la rediff. Donc, on cherche des chats vraiment sous le même mode que Où est Charlie, des chats dans plein de positions. Et il y a aussi 100 personnages à trouver. Et je laisse la communauté jouer dans le sens où je vous laisse un petit peu observer l'image. Donc, je bouge pas dans tous les sens. On peut zoomer, hein, mais si je suis trop zoomée, on va jamais les trouver, quoi. Et j'essaie de pas être comme ça, sinon vous allez pas en profiter. Donc j'essaie de dézoomer au max pour vous laisser jouer, mais vous avez le droit de dire que vous avez vu tel nombre de chats, ou vous avez tel personnage, mais vous n'avez pas le droit de dire où c'est, parce que ça spoil à la fois moi-même et la communauté également. Voilà. Et je projette d'ouvrir d'ouvrir une écurie sport, là, sur le jeu. En fait, j'ai découvert ça hier soir et je suis complètement addict. C'est un problème. Genre, on s'est vraiment couché à 4h du matin parce qu'on cherchait des chats. Voilà, on est là quand même. Je tiens à dire que quand il y a une animation sur l'image, ça veut dire qu'il y a un chat derrière. Voilà. Donc, les petits chats. Les petits chats. La musique, elle est vraiment incroyable. Elle est beaucoup trop épique pour ce qu'on fait. Mais elle est vraiment incroyable. Vous les voyez, les petits chats? Ça y est, vous les voyez, les petits chats? Clairement, un jeu Zilan. Ah, mais ma vie pour que ce soit un jeu Zilan, hein. Ma vie pour... En fait, je donnerais beaucoup de choses de ce que j'ai pour que ce soit un jeu sélectionné à la Zilan, où les gens ont les maps à l'avance pour voir comment est-ce que les gens bossent le jeu pour se souvenir qu'il y a un petit chat ici pour faire du speedrun, en fait. Vraiment, je donnerais beaucoup, hein. Je vais en parler à Zerator, je pense. Je lui ai envoyé un DM, je vais faire « Hey, Zera, j'ai une idée pour la Zilan !» Oui, Florence. « En fait, le but, ça serait de chercher des chats !» Oui, Florence. Florence, c'est super. C'est quoi ton rank sur Eden 4, Zera? Mais bon, vu les capacités des gamers à jouer à un puzzle, je ne donne pas cher pour un Où est Charlie, hein. Franchement... Ah, j'étais très énervée. Quand j'ai vu les gamers là, jouer au puzzle, là... Ça a l'air trop bien, ça. Diable, franchement, je te jure, j'ai développé... Je me suis couchée à 4h du mat hier à cause de ce jeu. Et quand j'ai tapé Hidden Cats, j'ai découvert qu'il y avait... Ou Hidden Things, ou je sais plus ce que j'ai tapé. J'ai vu qu'il y avait 1800 résultats sur Steam qui correspondaient à ma recherche. C'est le début de la fin. Les streamers, pendant ce temps, ils font des arcs où ils veulent passer diamant sur LOL. Ils veulent passer platine sur je ne sais quel jeu. Ils tryhardent leur grand mort pour une compétition sur Valorant ou je ne sais quoi. Ils montent des projets, des arcs incroyables en mode je vais finir tous les Dark Souls sans mourir une seule fois et tout nu. Et moi pendant ce temps, je suis en mode Hi! Hello! Moi je cherche des chats! Est-ce qu'une RTX 4090 est suffisante pour jouer à ce jeu? Je pense
Je pense, étant donné que j'ai une 4080, une pas une 4090, mais à vérifier. On n'est pas sûr. On n'est jamais trop sûr. RTX on, bien sûr. Gotha sur Rocket, les Grailloux va au Louvre et pendant ce temps, Florence cherche des chats. Oui. Merci Dionysos pour le 20e mois. Merci beaucoup. Vous en trouvez les petits chats, hein. Vous arrivez à voir quand même. Hein. Si vous êtes sur téléphone, c'est la galère, hein. Je suis d'accord. Hein. Mais après, on peut zoomer sur téléphone. Les gens qui ont mis le stream sur leur télé pour mieux voir, tu sais. Collé à l'écran, là. Le problème, c'est qu'on doit rejoindre les autres. En fait, pour ceux qui viennent d'arriver, on doit rejoindre les autres sur les coups de 20h30. Parce qu'on doit jouer à Fall Guys. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de trouver les chats qui nous manquent et les gens, quoi. Là, c'est vraiment un « Où est Charlie ?» pour le coup. Hein. Ah, mais je peux pas aller à gauche ou à droite. Attendez, c'est qu'une image. Ah non, mais on a toute l'image, là, en fait. Ah, on a toute l'image. Ce que je vous propose, c'est que je bouge ma caméra, comme ça. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans ce coin. Hop, je rebougerai la cam. Mais attendez, mais s'il y a des trucs en dessous d'ici, là, je veux pas voir. Comme il y a les petits monsieur, là, à chercher... Vous zoomez comme un porc. Ah bah tiens, un petit chat. Petit chat. Petit chat. Petit chat. Un petit prime pour la meilleure des streamers plus petit que 3 Angle Globe. Et là, on dirait Snoopy, là. Oh. Il y a un Snoopy. Oh, mais il y avait un petit chat, en fait. Non, mais les personnages, ça va être giga chaud à trouver. Hein. Là, je cherche le skin d'Antoine, là. Ah oui, je veux dire Snamètre, excusez-moi, pardon. Ah, Snoopy, Snamètre. Le clown, 100%, va falloir le trouver à un moment donné. Faut qu'on se souvienne qu'il est là. Attends, lui, il doit se battre dans l'arène, je pense, lui, là. Il est de dos. Chat. Quelle heure est-il? Oh, on va devoir arrêter. On va devoir arrêter soon. C'est horrible. Non. Ah, ça valait bien le coup de se moquer de moi parce que j'avais développé une addiction. Le pire ici, c'est vous, je crois. Hein. Je crois que les pires ici, c'est vous. Hein. Mais hier, vous arrêtez pas de me dire « Vas-y, Florence, relance-en juste une, juste une, juste une. » Vous êtes les pires addicts, en fait. Hein. Je peux être en retard pour le lore. Non, oui, mais là, c'est pas de 2 minutes dont je vais être en retard, là. Là si je finis la map... Je pense que j'en entends parler jusqu'en 2035. Vas-y, les personnages, c'est chaud à trouver. Hein. Trouve Antoine avant. Bah ouais, j'aimerais bien. Je demande que ça, hein. Attends, mais lui, c'est lui! Lui, c'est lui! Et oui. Lui, c'était lui, en fait. Attendez, mais lui, monsieur... Le skin d'Antoine, là, il est où, là?
Dites pas où est-ce qu'il est. Vous avez le droit de dire vu dans le chat, mais vous dites pas où est-ce qu'il est. Oh, Antoine! Voilà. Trouvez Antoine. On le trouve où, le jeu? Le jeu, je l'ai acheté sur Steam. Je sais pas s'il est sur console. Si vous tapez Hidden, on dit Hidden ou Hayden? Vous moquez pas de moi, j'ai un accent à chier. Ah, LCL. Et c'est pas une sponsor pour la banque. Hidden? Hidden. Hayden? Hidden. Hidden. Oui, vous en aurez plein d'autres. Là, c'est Rome, mais il y en a plein d'autres. Il y a Londres aussi. Mais après, bon, le jeu a pas l'air de vous plaire, donc je pense qu'on les fera pas, les autres. J'ai l'impression que vous êtes pas trop dans le truc. Moi, ça me parle, mais vous, j'ai l'impression que ça vous parle pas, donc vous êtes foutés, tant pis, hein. Il y a Tokyo aussi. Non, le jeu est pas gratuit, par contre, c'est des petits jeux qui sont pas chers, par contre. On veut des chats. Le crack est présent. Je s'est développé une très lourde addiction. Ouais, les arcs sur ma chaîne, à chaque fois, c'est des arcs qui sont très inattendus, en fait. Hein. À chaque fois, j'avais pas prévu qu'on allait passer 120 heures à essayer de canard ours dans un jeu vidéo, hein, à la base. Hein. Et quelle heure? Oula, merde. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Il y en a un, là. Putain, les personnages, ils sont vraiment chauds à trouver, je trouve, hein. Tu as fini Baldur's Gate 3, tu t'es arrêté à l'ours. Ah non, j'ai continué après l'ours. Non, j'ai continué. Ah bah non, je me suis pas coltiné 120 heures de run pour me dire bon bah c'est bon, on a qu'un l'ours, ça s'arrête là maintenant. Hein. Ah non, non. Ah non, non, j'ai développé une très très grosse addiction au jeu en fait. Donc non, j'irai jusqu'au bout de ce let's play. Hein. Mais c'est vrai que quand on a fait l'ours, ça m'a fait un petit truc. Ça m'a fait un petit truc. C'était un peu la fin du nerf quoi. Et là, je me rends compte que les chats, ça va. J'arrive à les trouver, mais alors les autres. J'ai quasiment tous les chats, mais j'ai pas les persos, quoi. La zanzinade. Il va falloir que je rejoigne les autres en vocal parce que sinon je vais me faire engueuler. On n'aura pas le temps de finir, mais on finira après Fall Guys. On finira après Fall Guys, ça vous dit ?